L'ours brune d'Europe est un grand mammifère qui appartient à la famille des Ursidés. L'ours brune est une espèce d'ours qui peut atteindre une masse corporelle de 130 à 700 kg. Cette espèce, qui fait localement l'objet de programmes de protection ou réintroduction, notamment en France, a été extirpée au Liban, en Suisse, aux îles Britanniques et dans divers pays européens, notamment dans les zones de plaine, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, parfois depuis de nombreux siècles. L'espèce était originellement présente dans toute l'Europe et même en Afrique du Nord, ours de l'Atlas. L'ours brune peut vivre 30 ans à l'état sauvage et jusqu'à 40 ans en captivité. L'ours brune a une fourrure dans les teintes blondes, brunes, noires ou une combinaison de ces couleurs. Les ours brunes ont une grande base de muscles au-dessus de leurs épaules qui donne la force aux membres antérieurs pour creuser. Leur tête est grande et ronde avec un profil facial concave. Debout, cet ours atteint une hauteur de 1,5 à 3,5 mètres. Malgré leur taille, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 55 km par heure. Pour la marche, l'ours brune est digitigrade des pattes avant et plantigrade des pattes arrière. C'est-à-dire qu'il pose en premier les doigts puis le talon de ses pattes antérieures et qu'il pose toute la plante de ses pattes postérieures en même temps. Il est fréquent que deux mâles combattent pour une femelle ou l'appropriation d'un territoire. Néanmoins, si le vainqueur se voit assuré de pouvoir féconder l'ours, cette partenaire ne lui reste pas fidèle et élève seul les oursons. Avec ses trois paires de mamelles, disposées sur la poitrine et l'abdomen, la femelle fournit un lait fort nourrissant, riche en graisse, protéines et vitamines. L'instinct maternel développé de l'ours la pousse à protéger ses petits de prédateurs tels que les pumas et les loups, mais également des mâles qui n'hésiteraient pas à les tuer aux fins de conquérir leur mère, comportement pareillement observable chez les lions et certains chiens de chasse. Le père ours peut aussi protéger ses petits des dangers, même s'il est très rare qu'il leur accorde autant d'importance que la femelle qui a un caractère qui l'incite plus à élever seule sa progéniture. Autrefois indigènes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les ours brunes sont maintenant éteints dans de nombreuses régions et ont vu leur nombre considérablement réduit dans d'autres. L'espèce se maintient mieux dans les forêts boréales et dans certains massifs montagneux. La population totale des ours brunes est estimée à environ 200 000 dans le monde. Les plus grandes populations vivent en Russie, avec 120 000 ours, aux États-Unis avec 32 500 ours et au Canada avec 21 750 ours. En Europe, il y en a environ 14 000, séparés en 10 populations distinctes. On trouve de petites populations d'ours brunes isolées dans plusieurs pays d'Europe, de l'Espagne à la Bulgarie. En Italie, entre 1999 et 2002, cette femelle et trois mâles capturés en Slovénie ont été relâchés dans le Trentin où subsistaient trois ours. L'ours brune est principalement diurne, surtout en Amérique du Nord. En été, il accumule jusqu'à 180 à 200 kg de graisse, réserve dans laquelle il puise pour tenir l'hiver, période durant laquelle il devient léthargique. Bien qu'il ne soit pas un vrai animal hibernant et qu'il puisse être réveillé facilement, il aime s'abriter dans des endroits protégés tels qu'une caverne ou une crevasse pendant les mois d'hiver. Omnivore, il se nourrit de plantes, dont les baies, les racines et les pousses, champignons et surtout poissons, insectes et petits mammifères comme le renard. L'ours brun est en grande partie végétarien, tirant jusqu'à 75% de ses calories des matières végétales.
Il adapte son régime alimentaire aux ressources locales et saisonnières, ainsi certains ours mangent un énorme nombre de papillons nocturnes en été, parfois jusqu'à 40 000 par jour, pouvant retirer jusqu'à un tiers de leurs calories de ces papillons. Normalement solitaire, les ours se rassemblent à côté des cours d'eau et des fleuves pendant la remontée et le frai du saumon. Tous les 2 ans, les femelles mettent au monde 1 à 4 jeunes qui pèsent seulement 500 grammes à la naissance. Ce phénomène devient plus rare en raison d'une raréfaction du saumon sauvage. En saison de reproduction, les mâles se montrent très agressifs envers les petits des femelles. Ils cherchent à les tuer. À ce moment, certaines femelles se rapprochent des habitations de l'homme, semble-t-il, pour se protéger des mâles. Dès les premiers froids, l'ours brun commence à réduire ses déplacements. Il choisit ensuite la tanière où il passera l'hiver, généralement une cavité rocheuse naturelle. Pendant cette période si particulière qu'est l'hibernation, le rythme cardiaque d'un ours diminue, passant de 40 à 50 battements par minute lorsqu'il est actif. La température de son corps baisse de plusieurs degrés et son rythme respiratoire est divisé par 2. Il est capable de recycler l'eau pour ne pas se déshydrater. S'il perd du poids, cette perte se concentre sur la graisse pour épargner les muscles et les organes vitaux. Les scientifiques n'ont à ce jour pas encore identifié ce qui distingue l'ours de l'homme de ce point de vue. Si un homme reste immobilisé pendant plusieurs semaines, il perd en masse musculaire. La durée de l'hibernation varie beaucoup selon les individus. Généralement, un mâle adulte reste moins dans la tanière qu'une femelle accompagnée de ses oursons nouveau-nés. Le climat influence aussi cette durée. L'ours brun possède une gestation à nidation différée. Cela signifie que 2 à 3 jours après la fécondation, la gestation est mise en pause pour ne reprendre que plusieurs mois plus tard, vers novembre, après l'entrée en hibernation, à condition que la femelle ait accumulé assez de graisse. La gestation dure de 6 à 8 semaines et la mise bas a lieu dans la tanière, entre janvier et février. Une ours donne naissance à 1 à 3 oursons. Chacun d'eux pèse environ 300 grammes. Ils passent les 3 premiers mois de leur vie avec leur mère dans la tanière et en sortent au mois d'avril. Les jeunes ours restent 2 ans auprès de leur mère et les ours n'ont une portée que tous les 2 à 3 ans. Les relations entre l'être humain et l'ours en France, un peu partout où l'ours brun est présent, des plans nationaux de protection ont été mis en place. Les menaces qui pèsent sur cet animal sont nombreuses, braconnage, déforestation, développement de réseaux routiers. Plus limités dans le temps, les conflits dans l'ex-Yougoslavie ont aussi contribué à réduire les populations ursines. Thank you.
Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.